une grâce courageuse que Dieu a fait dans une vie. Et moi, pour ma part, j'étais un garçon qui ne cherchait jamais les problèmes. Un garçon assez gentil, on va dire. Que même si j'aurais fait quelque chose qu'il ne fallait pas, on aurait dit non, c'est pas lui, c'est un fils à papa. Mais malgré être gentil tout ça, des fois on donne une opinion de quelqu'un en disant il est gentil, il est comme ça, il est comme ça, mais quand on le connaît depuis plus on s'aperçoit qu'il n'est pas si gentil que ça. Et moi, dans ma vie, des fois je me dis, Seigneur, j'avais ressentiment comme s'il manquait quelque chose. Il y avait un manquement, mais je ne voyais pas c'était quoi, parce que je ne connaissais pas ce qui manquait à ma vie. Puis le temps est passé où je me disais, moi, ça va, comment ça, je suis bien, je n'ai besoin de rien. Et un jour, l'angoisse est tombée dans ma vie. Et je vous l'ai dit, que je vous dis à moi, je ne me suis pas entendu quand elle est rentrée dans ma vie. Mais quand elle est rentrée, elle a vraiment frappé fort. J'ai commencé à avoir peur de l'ennemi. L'ennemi me terrifiait. Je me demandais qu'est-ce qu'il pouvait faire à ma vie. Moi, je travaillais de nuit. Et à mon travail, c'était de marcher dans la rue, de ramasser les déchets. Et chaque fois que j'étais dans le noir, je me sentais suivi. Quand je rentrais chez moi et que j'allais avec ce vouloir dans mon lit pour dormir, ce n'était pas fini, je me sentais observé. Et plus les jours passaient, plus la peur grandissait. Jusqu'à un moment où je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais devenir un fou. Il va falloir que je prenne des cachets à la fin. Quand je roulais en voiture, j'étais obligé de retourner les rétroviseurs. Parce que j'avais peur qu'il y ait un reflet derrière. Quelque chose qu'il ne fallait pas. Je vous le dis, je savais vraiment quelque chose qui me terrifiait. Et un jour, en descendant les marches de ma maison, aux escaliers, j'ai rencontré un serviteur. C'était un cousin à moi. Il m'a dit, tu ne viendrais pas à la réunion? Et moi, j'ai dit, je viendrai. J'ai assisté à la réunion. Comme un simple spectateur. Je n'écoutais pas. Et je regardais ça comme un spectacle. Je suis reparti de la réunion en me disant, plus jamais de ma vie, je reviendrai à cette réunion. Mais quelques semaines avant, j'avais demandé de changer de service. J'étais de nuit, je voulais passer de matin. Et quand mon cousin il m'a dit, eh bien, écoute cousin, dimanche prochain, je viendrai à la réunion avec moi. Et moi, je dis, non, je ne peux pas venir, parce qu'un dimanche sur deux, je travaille. Moi, je vous dis, je vais l'engager, il ne m'embêtera plus avec ça. Le jour même, le lendemain matin, le chef m'appelle et il me dit, je ne sais pas comment, on ne m'a pas prévenu, mais tu as changé de service. Et je me suis mis à aller au réunion. Et j'ai assisté, comme un spectateur, pendant tant de temps. Malgré mon angoisse, malgré mes peurs, malgré mes difficultés. La journée, je me disais, Seigneur, comment je vais me retrouver encore ce soir? Même la journée, je pensais au mal-être que j'allais avoir la nuit. C'est quelque chose de grave. Et à un moment, je me suis dit, Seigneur, à venir aux réunions, il y en a marre. Il ne faut plus que je sois un simple spectateur. Il faut que je te cherche. Et je me suis mis à le chercher. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. J'ai crié à Dieu, je lui demande pardon de mes péchés. Amen. Je me suis approché de lui. Autrefois, je sentais une présence qui me suivait, mais aujourd'hui encore. Mais cette présence a changé. Parce que la présence qui me suit aujourd'hui m'a rendu le bonheur. M'a rendu la paix. Il est vrai que des fois c'est difficile. Mais quand on marche avec Jésus, tout devient facile. Amen. J'ai à cœur de vous expliquer une expérience, je ne sais pas pourquoi. Ça fait 2-3 jours que je vais l'expliquer. Et vous la dire. À un moment, moi, dans ma vie, je me suis baptisé et je ne priais pas dans l'église. Je n'ai pas prié dans l'église pendant 4 ou 5 mois. Alors l'ennemi est venu et il m'a attaqué. Il m'a dit, tu es un bon arrière, tu ne sers à rien. Je voyais les frères, et quand je voyais les frères bénis, je n'étais pas jaloux d'eux, mais je voulais être comme eux. Et l'ennemi me disait, toi tu ne peux pas être comme eux. Tu as vu comment ils sont bénis? Toi tu n'arrives pas à ouvrir la bouche, tu es bon arrière. Et plus le temps passait, plus l'ennemi mettait les mauvais pensées dans mon cœur. Il me disait, moi, Dieu ne peut pas te servir de toi. Tu es inutile entre les mains de Dieu. Et moi, je le croyais, mais heureusement, je croyais ça, malheureusement. Et un jour, je vais faire les calendriers. Et je sonne à une porte. Moi, je ne savais pas ce qui allait arriver ce jour-là. Et en sonnant, je vois une vieille dame. Elle ouvre la porte et moi, je lui dis, bonjour, madame, vous allez bien? Elle me dit, non, ça ne va pas. Elle me ferme la porte au nez. Et elle ressort 5 minutes plus tard. Et moi, j'étais étonné. J'ai rien fait à cette dame pour qu'elle soit aussi méchante avec moi. Et elle revient, elle me donne un billet, et elle se met à pleurer devant moi. Monsieur, je vous demande pardon. Je veux vous dire, mon fils est malade. J'ai peur qu'il meure. Et moi, j'étais étonné. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à cette femme maintenant? Et j'ai eu témoigné de Jésus. Je lui ai dit, vous savez, madame,
Jésus guérissait les malades. Et ceux qui faisaient avant, il le fait toujours aujourd'hui. Mais quand un malade était guéri, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Vous devez avoir foi que votre fils peut guérir. Vous priez, vous croyez en Dieu, le Dieu, je ne sais plus, je crois en Dieu. Je dis, madame, s'il vous plaît, priez Jésus. Et moi, je prie pour vous chez moi. Le temps a passé. Et j'ai repensé à cette femme. Je sais que le Seigneur m'a mis ce jour-là à cet endroit pour se servir dans mon salon, si j'en suis sûr. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Et Dieu a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, tu ne sais pas ce que cette femme est devenue. Et quand toi, tu te croyais inutile, moi, je te montre que tu as ta députité entre mes mains. Des fois, l'ennemi vient et il souffle des choses. Il nous fait croire qu'on est bon à rien, qu'on ne sert à rien, mais moi je vous le dis en vérité, que vous avez grande utilité entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.